Bienvenue au château d'Ikem. Ikem et son histoire, c'est une longue histoire, ce qui en fait la valeur de cette propriété, qui commence il y a à peu près 400 ans. J'ai en mémoire une lettre de Thomas Jefferson qui rend visite à la famille Ursalus et commande quelques bouteilles pour George Washington. Et il y a comme ça, dans l'histoire d'Ikem et l'histoire de la famille Ursalus, puisqu'il s'agit de la famille Ursalus, qu'on sut maintenir l'excellence dans la durée et faire de ce château, et ce château absolument merveilleux qui est au sommet de la colline, qui est, dont la maison principale est du XVIIe siècle, et les murs autour et les, sont à peu près du XVe, XVIe siècle. Une architecture un peu, je dirais, hétérogène, mais extrêmement charmante, et qui domine tout ce paysage de Sauternes, puisque Ikem reste la grande locomotive de cette appellation. Seul cru classé supérieur de 1855, vin majestueux, unique, incomparable, que l'on sert dans les cours, que l'on sert dans les palais, que l'on sert avec des connaisseurs et qu'on en sert aussi avec des bons amis quand on veut partager un moment de plaisir. La propriété d'Ikem, environ 200 hectares, entourée d'un vignoble de 104 hectares qui pousse sur des collines extrêmement sensuelles, un peu comme un paysage toscan, dominant la vallée de la Garonne et la forêt des Landes. Et coule une rivière à l'ouest, le Siron, qui crée un phénomène tout à fait, je dirais, unique dans cette région, qui est le développement du botrytis, champignon, qui vient coloniser la peau des raisins, concentrer le sucre, concentrer les arômes, pour faire d'Ikem un vin unique, inégalé et d'une grande élégance. Et surtout, le vin d'Ikem, issu de ce terroir, voyage merveilleusement bien dans le temps, puisque de vieilles bouteilles d'Ikem démontrent l'évolution merveilleuse de ces grands vins. Les vendanges sont amenées dans une petite cour, qui est d'ailleurs très belle, vers des pressoirs et vers une grande diversité de tailles de pressoirs, puisque dans la même journée, on peut vendanger plusieurs parcelles et on peut avoir la capacité de pouvoir les presser différemment. D'autre part, le vin et le jus est fermenté dans des barriques neuves. C'est un élevage par rapport à la tradition, qui est un petit peu plus court, de l'ordre de 24 à 28 mois, pour préserver la fraîcheur du vin, pour préserver son évolution. Dans un chai qui a été créé dans les années 89 par la famille Ursalus, qui se trouve sous le jardin, qui est absolument magnifique. Sous tirage tous les 3 mois, préparation à la mise en bouteille, rien n'est traumatisé, tout est respecté, je dirais, c'est l'élégance du geste qui fait la grandeur du vin. Alors l'instant de l'ouverture d'une bouteille d'Ikem est toujours un instant important, et quand un rayon de soleil traverse la pièce historique, cette pièce est une pièce historique, c'est la chambre de Françoise Joséphine Sauvage d'Ikem. C'est elle qui a apporté d'ailleurs en dot cette magnifique propriété. Et elle résidait ici, sa chambre, elle avait vue sur la vallée de la Garonne. Et cette pièce s'appelle la Tour Carrée, pièce importante dans la visite de cette propriété. Alors nous allons servir un 2015 millésime jeune. Nous n'avons pas peur de servir un millésime jeune, mais surtout c'est un magnifique millésime. Stéréotype, je dirais, d'un grand millésime d'Ikem. Donc sa couleur est dorée, on n'est pas sur une couleur jaune d'or, de la couleur de l'or.
ni sur des couleurs qui seront plus tard un peu plus évoluées, allant du ambré à des couleurs plus foncées. Nous sommes sur une couleur, une belle couleur. La couleur d'Ikem est toujours quelque chose de merveilleux à observer. Donc on a des arômes d'agrumes, d'arômes d'orange. Nous n'avons pas encore ces pointes safranées que nous retrouvons sur des millésimes un petit peu plus évolués. Le vin est floral, le toucher en bouche est soyeux, le vin est voluptueux. C'est la grandeur de ce vin, une espèce de caresse infinie, mais toujours avec cette pointe de fraîcheur qui le rend extrêmement digeste et agréable. Souvent, on a peur d'ouvrir une bouteille de vin jeune d'Ikem. Il ne faut pas. En fait, là, vous voyez, il est 11h du matin, on est légèrement en hypoglycémie. C'est avec une touche de fraîcheur, en le servant à 8-9 degrés. C'était vraiment un apéritif merveilleux. Voilà, Ikem est à part. C'est un monde merveilleux. Donc, on l'a vu par la sensualité du terroir, par son histoire, par la qualité des hommes qui y travaillent, puisque nous avons des générations de viticulteurs qui sont en symbiose parfaite avec cet écosystème d'Ikem. C'est un monde où se jouent avec ce botrytis tous les dangers du climat et l'homme apprend finalement à connaître parfaitement l'endroit. Et il faut savoir que si le climat n'est pas au rendez-vous avec Ikem, on ne fera pas Ikem. Il y a certains millésimes qui n'existent pas. Et derrière cette étiquette merveilleuse de simplicité, de pureté, il y a des millésimes qui n'existent pas. Puisque se joue l'excellence, se joue la combinaison intelligente par l'élégance du geste entre l'homme et la matière première. Et se joue aussi, je dirais, la rareté, qui est une notion extrêmement importante. C'est toujours un plaisir de se plonger dans un verre d'Ikem parce que, un peu comme la musique de Mozart, derrière une musique de Mozart, c'est toujours du Mozart et au même titre pour Ikem. Merci.